Baruch Morgan Ale Yiden. L'étude sera aujourd'hui. Le Elohi Nishmat Rivka Batsara, Rachel Batsara, Moshe Ben Sultana, Moshe Michael Ben Achluf, Zohara Rosette Bat Sultana, Rav Yosef Haim Ben Asimcha, Zara Bat Mazal Tov Shishportish. Si vous souhaitez vous aider à une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternel. Nous étudions Baba Batra, Perek Tet, Mishnah Zain. Amechalek Nechassav Alpiv, Rabbi Eliezer Omer, Echad Bari, Echad Mesukan. נכסים שיש להם אחריות נקנין בכסף ובשטר ובחזקה ושאין להם אחריות אין נקנין אלא במשיכה אמרו לו מעשה באימן של בני רוחל שהייתה חולה ואמרה תנו גבינתי לביתי והיא ב-12 מנה ומתה וקיימו את דבריה אמר להם בני רוחל תקבל רב אימן והחכמים אומרים בשבת דבריו קיימין מפני שאינו יכול לכתוב אבל לא בחול רבי יהושע אומר בשבת אמרו קל וחומר בחול. כיוצא בו זכין לקטן ואין זכין לגדול. רבי יהושע אומר לקטן, אמרו קל וחומר לגדול. On continue les halakhot du matnat, de la matnat shrivmera, le leg des agonisants qu'ils peuvent léguer par la parole. On apprenait hier, on apprenait longuement les différents cas de figure, les différents paramètres qui influent, s'ils donnent de son vivant, s'il donne pour après sa mort, s'il donne de son vivant, ce qu'il donne tous ses biens, ce qu'il donne peu de le bien, on va retenir une halakha qui nous intéresse pour notre Mishnah, et on va apprendre qu'il y a en réalité une discussion. Tout ce qu'on a appris hier, c'est vrai pour la halakha, mais il y a en réalité deux avis qui vont discuter dans notre Mishnah. Un cas qui nous intéresse d'abord, c'est le cas où je donne. Quoi que je donne, un bien ou même tous les biens, peu importe, mais que je précise que je les donne après mon décès, après le décès, d'accord ? Matnat, Metzavé Mahmat Mita, ça s'appelle. Il donne, il fait une tzava, il donne pour après sa mort. Il est en train de nous dire, sur son lit de mort, qu'il a énormément de peine, qu'il va quitter le monde. Et si déjà, au lieu que ses héritiers héritent de tels biens, il préfère le faire en faire cadeau, le léguer à son ami d'enfance. D'accord ? On apprenait hier que dans un cas pareil, ce n'est pas la peine de faire un acte d'acquisition, étant donné qu'il donne pour après la mort. Même s'il donne un seul bien. Alors maintenant, on va apprendre qu'en réalité, il y a une grande discussion sur le sujet. Amchalek nechassav alpiv, celui qui distribue ses biens par la parole. Un shriv mera, un agonisant, il est en train de distribuer tel bien, à telle personne, tel bien, à telle personne. Rabbi Eliezer Omer, selon Rabbi Eliezer, echad bari ve echad mesukan, qu'il s'agisse d'une personne en bonne santé, ou d'une personne en train de partir. Nechassim sheyesh lehen acharayut niknin bekesev ubishtar ubechazaka. S'il s'agit de biens qui ont une garantie, c'est-à-dire de biens immobiliers, il devra nécessairement faire un acte d'acquisition adéquat, soit bekesev ubishtar ubechazaka, en donnant de l'argent, en écrivant un contrat, ou encore en faisant le maaseh chazaka, de partir saisir le bien, s'installer dedans. Et si c'est un bien qui n'a pas de garantie, c'est-à-dire qu'on parle d'un bien mobilier, il ne se pourra être acquis que par qu'en le tirant. Soit, on résume ça en une phrase très simple, selon Rabbi Eliezer, ça n'existe pas de faire un don, un leg par la parole, même lorsque l'on est agonisant, il faut nécessairement faire un acte d'acquisition conforme à la halakha pour n'importe quelle transaction, d'accord ? C'est l'avis de Rabbi Eliezer, donc il nous a précisé quel type d'acte et d'acquisition, que c'est Shtar Chazaka, Meshicha, on en prenait tout ça dans le Perek Vav, Perek Zayin, amplement. Perek Vav. Hey, Vav, Vav surtout. Gimel, Vav. Amroulo Chachamim, en tout cas, rétorque. Et disent à Rabbi Eliezer, c'est faux ce que tu dis, Rabbi Eliezer. Tu te rappelles pas une histoire quand on était petit, qui avait les grands Chachamim du dehors d'avant, qui avait toute une histoire et que Chachamim avait tranché qu'on pouvait léguer par la parole. Qu'est-ce qui s'était passé à cette époque? Maase Beiman Amrolo, ils lui ont répondu à Rabbi Eliezer. Maase Beiman Shel Bnei Rochel. Il y avait une histoire avec la mère des enfants de Rochel. Rochel, c'est le nom du père. Donc, la femme de Rochel, je ne sais pas pourquoi la Gemara, à la Mishnah préférait l'appeler, les enfants du fils de Rochel. La mère des enfants de Rochel. Donc, la femme de Rochel, en fait. Shaita Chola, qui était malade, agonisante, Ve'amra, et elle a dit, Tno Kevinati Leviti, donnez mon bijou, Kevinati c'est un bijou un peu spécial, de très grande valeur, donnez-le à ma fille, Ve'hi Bishne Masar Mané, et il a une valeur de 12 manés.
12 manés, c'est une énorme valeur. L'équivalent de 200 zouz, ça fait 2 manés, c'est une parnassa pour le SMIC, ouais, les pizzaiolos, une petite parnassa, mais pour un an, 200 manés. Donc vous imaginez, 12 manés, c'est l'équivalent de 6 années de SMIC, plus ou moins, si on veut se faire une petite idée. Donc c'est un très gros bijou. Et cette femme-là avait des garçons, et elle a voulu que ce soit sa fille qui hérite spécialement de ce beau bijou. Et ensuite, va Meta. Et elle est partie à l'autre monde, et les frères sont partis voir les Chachamim. Et Chachamim ont maintenu ses paroles. Ils ont dit, ah, elle a bien légué par la parole. Donc tu vois bien, Rabbi Eliezer, toi aussi tu reconnais qu'il y a eu cette histoire. Quand on était petit, le Rabbanim nous l'a raconté, on la connaissait par cœur, cette histoire. Donc tu vois bien qu'on peut léguer par la parole. À Marlène, Rabbi Eliezer leur a rétorqué, Bnei Rochel, vous me parlez des Bnei Rochel, des enfants de Rochel, t'es kaberem iman, que... Quelle malédiction, que leur mère les enterre, qu'ils crèvent, d'accord. Soit, Rabbi Eliezer était très fâché contre cela, contre ces Bnei Rochel, parce que selon lui, ils transgressaient constamment une grave avéra de Hilchot Kilaim. Ils avaient un champ dans leur vigne, et là-bas, ils laissaient des pousses, d'autres sortes poussées, il y avait un problème de Kilaim, de croisement d'espèces. Et donc, il faisait une grave avéra, et c'est pour ça que Rabbi Eliezer, il est en train de dire, hein, vous rapportez ces ordres de Bnei Rochel, vous avez rien compris à l'histoire qui s'est passée. Ces gens-là, c'était des grands Rechaïm. Et Chachamim, ils étaient tellement fâchés contre ces gens, hein, qu'en réalité, la halakha, elle était que la mère ne pouvait pas léguer par la parole. Mais malgré tout, Chachamim ont vu la nécessité de dire, bon, on va pas leur donner trop d'argent, au moins qu'ils arrêtent de faire des avérotes, et qu'on donne ce beau bijou à leur fille, à leur sœur. En réalité, il n'y a pas eu de vente dans cette histoire, ça n'a pas été légué par la parole. Et l'histoire maintenant se conclut ici. Donc, on résume très simplement où on en est, parce qu'on va prendre ensuite le cours naturel de la Mishnah. On a Rabbi Eliezer qui pense qu'on ne peut pas léguer par la parole. Chachamim qui leur a rapporté une histoire, que regarde, on a légué par la parole. Et Rabbi Eliezer qui leur a dit, vous avez rien compris, dans cette histoire, il n'y a rien eu. En réalité, elle n'avait pas acquis. Chachamim, ils ont juste voulu malgré tout en faire cadeau à la petite, plutôt que de le laisser au grand frère qui était des mauvais. Maintenant, on continue maintenant la Mishnah qui va nous parler, est-ce qu'on peut, oui ou non, léguer par la parole. On va découvrir un deuxième avis. Le Chachamim Omrim, Chachamim pense, différence. Be Shabbat, Dvarav Kayamin, Mipenech Enu Achol Lichtov. Le Shabbat, Chachamim ont interdit de faire une transaction à Shabbat. On n'a pas le droit de faire un Massé Kinyan. Lorsque vous êtes invité chez quelqu'un, vous voulez arriver avec un cadeau pour la maison, vous n'avez pas le droit de le donner pendant Shabbat. Il faut faire attention à le donner avant. Vous faites un anniversaire, donnez le cadeau avant. Il y a plusieurs solutions. Là n'est pas notre sujet. En tout cas, pendant Shabbat, on n'a pas le droit de donner. De ce fait, tout ça c'est une xéra de peur qu'on va se mettre à écrire un contrat. De ce fait, le Shriv Mera, si, donc il va vouloir léguer. Pendant Shabbat, il ne va pas pouvoir léguer, de peur qu'on va se mettre à écrire. Il va commencer à paniquer, il risque de mourir, il n'a aucune solution, il a envie de donner, il ne peut pas donner, il va commencer à avoir le cœur qui va battre trop vite, et il va claquer trop tôt. Alors Chachamim, ils ont dit, tu sais quoi, le Shabbat, le Shriv Mera, l'agonisant, peut léguer par la parole. Mais Pénèche Neu Yachol Lichtov, parce que c'est interdit d'écrire, donc on permet de le faire. Avalo Bachol, par contre, en jour normal de semaine, profane, puisque l'on peut faire un acte d'acquisition normal, eh ben, l'agonisant a qu'à faire procéder à un acte d'acquisition normal, et le faire acquérir ainsi. Rabbi Yoshua Omer, par contre Rabbi Yoshua vient et rétorque et dit de nouveau, Be Shabbat Abrou, il est vrai que la halakha que vous rapportez, elle a été dite, nous on avait au Bet HaMidrash, tout le monde disait comme ça, ouais, à leur époque, tout le monde disait que le Shabbat, on peut acquérir, le Shriv Mera peut faire cadeau. Rabbi ils ont crié, ah, ils ont compris, le Shabbat, mais pas dans un jour de semaine habituel. Rabbi Yoshua dit, non, vous avez rien compris. Quand on disait le Shabbat, c'est pour dire, même le Shabbat, on peut le faire. Kalvachomer Bechol, à plus forte raison dans un jour profane de semaine. D'accord. Donc finalement, selon Rabbi Yeshua, la halakha est fixée comme Rabbi Yeshua, un Shriv Mera, un agonisant, peut léguer par la parole, qu'il s'agisse d'un jour de semaine ou qu'il s'agisse d'un jour du Shabbat. Et la halakha est fixée comme lui. D'accord. Kayot Sebo, idem, c'est fréquent dans la Mishnayot, on va parler d'un tout autre sujet, mais étant donné qu'on a vu une marloquette avec Rabbi Yeshua qui disait Kalvachomer, alors on la rapporte. On passe à un tout autre sujet. Zachin la katan, ve'en zachin la gadol. Lorsque je veux faire cadeau d'un enfant, plutôt le mot zria, c'est que si je suis dans la rue et je trouve une trouvaille, je veux que j'ai le droit d'acquérir, bien sûr, conformément au perek bet de Baba Mitzia, et l'Ometziot, je trouve un objet dans la rue, c'est exactement
L'objet que mon cher ami Réhouven voulait, je le ramasse pour que Réhouven l'acquiert. Est-ce que je peux acquérir cet objet pour Réhouven? C'est la paracha de Zriya. Je suis Zoché Bishvilo. Il ne m'a pas nommé Chaliar. Je ne suis pas émissaire envoyé par lui pour acquérir. Mais de moi-même, je veux acquérir pour lui. Est-ce que ça marche? Alors il y a ici une discussion de nouveau. Zachin la Katan, Ben Zachin la Gadol. Si c'est un enfant, on peut acquérir pour lui. Mais pour un grand, non. Pas un grand, il a qu'à venir lui-même faire l'acte d'acquisition ou me nommer Chaliar à la limite. Mais en tout cas, je ne peux pas acquérir pour un grand, juste pour un petit. Pourquoi? Étant donné qu'un petit, de toute façon, un enfant, il ne peut pas de toute façon acquérir pour lui-même, selon la Torah, donc Rachamim, ils ont dit, on pourra malgré tout, pour le bon déroulement, le bon ordre du monde, il faut laisser les enfants acquérir quand même quelque chose. De ce fait, on pourra faire un acte d'acquisition pour les enfants, mais pas pour un grand. Le grand, il peut venir lui-même acquérir, donc il acquiert. Rabbi Yoshua Omer, Rabbi Yoshua rétorque, la Katan Amro. C'est vrai que là, la réalité est dite que Zachin la Katan, mais vous avez rien compris. Ça ne veut pas dire que la Katan veut le gadol la four. Le contraire. La Katan Amrou, c'est à la réalité explicitée pour l'enfant, mais Kalvachomer la gadol, la plus forte raison pour le grand. Finalement, on se retrouve avec le même type de rapport, de discussion. C'est pour ça qu'on le rapporte. On ne va pas rallonger sur ce sujet parce que c'est vraiment pas notre thème de Baba Batra. Concrètement, on a juste eu une discussion. Là, la réalité est fixée de nouveau comme Rabbi Yoshua sur ce détail. Lorsqu'on trouve une trouvaille dans la rue, je décide de l'acquérir pour que Réhouven, mon ami Réhouven, en devienne possesseur. Alors je peux l'acquérir pour lui, et puis désormais ça appartient à Réhouven. On a évoqué d'ailleurs tout ce sujet, il a déjà été évoqué dans Baba Metzia, dans le premier pérec cette fois-ci, avec l'histoire, il y avait une trouvaille dans la rue, et il a demandé à son copain de ramasser. On apprenait là-bas que dès que je suis parti ramasser pour Réhouven, Réhouven l'acquiert, et finalement, si finalement je regrette et je dis non, finalement, c'est bête, j'ai qu'à la prendre pour moi. C'est trop tard, parce que depuis que je l'ai levé, je l'ai acquise pour Réhouven, et donc je ne peux plus moi-même la prendre. Elle appartient à Réhouven. Et c'est tout pour la Mishnah. On fait à présent le Bar Tenora. Rabbi Eliezer, Omer, Echad Bari, Echad Mesukan. On revient donc sur la Mishnah avec Rabbi Eliezer qui nous apprenait que d'aucune manière, un Shriv Meran agonisant peut léguer par la parole. Rabbi Eliezer, let le de divrei Shriv Meran, kektuvin vechim surin dami. Rabbi Eliezer n'a pas la règle que les paroles du Shriv Mera de l'agonisant sont Kektuvin Vekim Surin Nami, comme si qu'ils avaient été écrites et transmises. Il y a un Tosot Yomtov qui explique pourquoi que c'est cette expression, ça a été intéressant parce que je l'ai souvent revu cette expression sans comprendre ce que ça veut dire Kektuvin Vekim Surin. En réalité, parce qu'il fait allusion aux deux sortes de Kinyanim. Kektuvin, comme si qu'ils avaient écrit dans un contrat, dans un certificat, c'est pour les biens immobiliers. Vekim Surin, pour les biens mobiliers, comme si qu'ils ont été donnés de main à main. C'était un petit type à la derrière, sur le chemin. En tout cas, va filo, mais savez, Mahmat Mita, même s'il ordonne, parce qu'il est en train de mourir, il est agonisant, Svirele, il pense à Belezer, de El Matanoto Matanar. Belezer pense que son leg n'est pas un bon leg. Ela Bekinyan Kematnat Bari. Il doit nécessairement faire un Masekinyan, un acte d'acquisition, comme un don de personne en bonne santé. Ven al Hakir Abelezer, la Lacha n'est pas établie comme Abelezer. Après, il y avait l'histoire avec les Bnei Rochel, Iman Shel Bnei Rochel, que là-bas, la mère, elle avait dit Donne ma kvinati, Targum Redidim Kvinta. La traduction de Redidim, je ne sais pas si c'est des bracelets ou des colliers, ça se dit Kvinta. Ouais. Comme vous verrez dans la Torah, on a dit le mot redidim. Regardez dans le Targum Unkelos, vous verrez que là-bas il y a marqué Kvinta. D'accord, on fait confiance. Tikberem Iman, c'était lorsque Rabbi Eliezer a maudit les enfants de Bnei Rochel en leur disant cela, ne me ramenez pas de preuves d'eux. Klomar, ne me rapportez pas des preuves de ces gens-là, s'il vous plaît. Shereshaim Ayu, c'était des Reshaim. Veknasa, Kansur, Abanan et Abanim. Les Kayem Labat Matnat Iman. Les Chachamim ont vu la nécessité de leur faire un knas, une amende, une contravention, de les punir quelque part, en maintenant les paroles de la mère en faisant don de ce beau bijou à la fille. Afalpi chez Lo Ayam Inadin, bien que la loi stricte ne précisait pas, ne stipulait pas que ça devait revenir aux enfants, à la fille, mais plutôt aux garçons. Avalobachol, ça c'est le deuxième avis de Chachamim, que l'on peut léguer pendant Shabbat, mais pas à Chol, pas en jour de semaine. Im, Chelek, Ashriv, Meran, Minechasav, Chol. Si l'agonisant a partagé, c'est bien, donné, c'est bien, légué, c'est bien pendant un jour de semaine. Et Rabbi Yoshua leur dit non, mais Shabbat Amrou, Kalvachomer, Bechol, la plus forte raison, quand c'est un jour de semaine,
que Vechen alacha, et ainsi est établi alacha, de ben mechol ben meshabbat, que ce soit un jour de semaine ou un jour du Shabbat, dire Shrivmera, kektive, vechim sirei dami, que les paroles du Shrivmera sont comme si elles avaient été écrites et transmises. Et donc le Kenyan, il n'a pas besoin de faire un acte d'acquisition. Veim sha'al shiknu miyado, konim mimenu ben mechol ben meshabbat. Maintenant, autre alacha. Bien que pendant Shabbat, on ne peut pas faire d'acte d'acquisition, ce sont interdits. Malgré tout, pour le Shriv Mera, pour l'agonisant, s'il a demandé de dire « Je veux léguer à mon ami Réhouven, mais faites l'acte d'acquisition », alors on pourra partir le faire même pendant Shabbat. Pourquoi ? C'est une kula que Rachamim ont fait cette fois-ci. « Kedei shelot itrof da'ato alav » afin que qu'il ne rentre pas en panique dans sa tête. Ouais, « Tirouf adat » c'est qu'il a l'esprit qui devient complètement... Mais boulbal, chamboulé, pour que son esprit ne se chamboule pas, car Rachel risque de mourir. Donc Rabbi nous ont dit, c'est bon, fais-lui le kinyan, laisse-moi tranquille, c'est pas si grave. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tuv Sela.